Bonjour, assalamu alaikum. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une galette. Harcha. On va faire la harcha. Voilà. On va passer à les ingrédients. Pour les ingrédients de harcha ou la galette, on a besoin de verre jusqu'à ce que ça soit samida, samida raqiqa, la semoule fine, mayo adil 250 g, 250 g de samida raqiqa, bayda wahda, un œuf, la taille moyenne, حجم متوسط, une cuillère à café du beurre, معلقة صغيرة نتاع الزبدة على حرارة المطبخ, du beurre mou, نصف معلقة صغيرة نتاع الملح, moitié cuillère à café du sel على حسب الذوق, 300 ml ou 300 g d'eau de afwan, du lait, 300 ml du lait à la hararat al-matbakh, on a besoin du sucre, un peu de sucre, une cuillère à café du sucre, j'ai pris du sucre glace, derrière du sucre hubeybet, c'est bon. Du sucre, une cuillère à café, du sucre, معلقة صغيرة نتاع السكر. ml de l'huile, 40 g de zit. غرام دو لا ليبيغ شيميك 7 غرام تاع الخميرة الحلوة اي جي راجوتي 20 غرام دو فارين 20 غرام تاع الفارينة نبري بواط و نسالادي و ان هنا دا سمول Samida, de la farine, sucre, on fait tout le chien. Khamira. Je vais mettre de l'huile. Et des zoubda. Et je vais travailler. La semoule
avec de l'huile et du beurre, avec zucca et zeste. دير الحليب نخلطو Je vais les couvrir et je vais les laisser 2 minutes. Avec le maclage, je vais mettre un petit peu de beurre. J'ai la poêle maintenant. Je vais... Un petit peu de semoule fine. La semoule fine. Ça met de la rafraîchie. On va mettre un petit peu, pas beaucoup. Je vais mettre Khalit. Voilà, et je vais
غادي نفوت نطيبها. با باسي على كيسان ورش عند النار بالكوزينه ماكالات فاليليتي كوير النار مهيله الفو موان فور موان كمتوسطه موان et je vais les laisser cuire tout doucement. Ndourouha chouïa hak marra marra. Kif tib tous les côtés. Voilà la galette, je l'ai tournée. Voilà, on va les laisser cuire encore 6 à 7 minutes, chaque côté. Moi, je le tourne avec ce plat-là. J'ai mis un petit peu d'huile comme ça et ça colle pas du tout. نخلوها 7 دقائق شاك كوتي. Voilà la galette. Voilà, الحرشه elle est prête. J'ai fait deux mêmes. On va les couper. Voilà la harcha. Voilà. Magnifique. Deuxième. On peut le manger avec du miel, avec du beurre. Kif habina. Bsaha, raha et bon appétit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.